Chapitre 3. Châtiment. Ok. Donc s'ils sont tous de la même longueur à peu près, je pense que je vais les couper par épisode, par chapitre. Regarde, Amicia. Oui, j'arrive. Ok, une église. Donc on peut demander asile. Ok, alors je vois une échelle déjà. Soit pour se barrer, soit pour... C'est peut-être une sortie. Monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va... Non, je voulais visiter. Amicia, il y a quelqu'un. Eh merde. Je voulais visiter l'église. Je recommence l'église. Voilà. Parce que j'avais vu un truc qui brille au bout, là-bas. Pourquoi il y a des bougies? Les bougies, c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, tu peux en allumer une? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. Ok. Une bougie pour papa et pour maman. Ok. Pour papa et maman. T'as tout compris. Veillez sur eux. Trois fois, hein, toujours. Faut toujours s'agenouiller trois fois devant la statue. C'est quoi ça? C'est drôle, les voix ici. Oui, c'est l'écho. Eh oh! Écoute, souffre. Il y a peut-être des gens ici. Oh. Pardon. Une barricade. C'est quoi? C'est pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. Oh, un collier. C'est un chapelet. Un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? On le fera ensemble. Prions la madame. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Oh, pardon. Grande madame de pierre, pardonnez-nous nos péchés. Merci. Pardonnez-nous nos péchés présents et à venir. Voilà, parce que je sais que je vais encore tuer des gens. De l'alcool, ok. Ouais, bah j'ai bien fait de venir en fait. De recommencer parce que j'ai looté pas mal de trucs. Ok. Hé, hey, t'as vu? Oui. Il y a une fenêtre cassée et une échelle. C'est peut-être une sortie. Vas-y, monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, je pense pas. C'est bon. Ok. Amicia. C'est dangereux. Vous n'avez rien à faire là. Je vois un truc qui brille là-bas. S'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. Au pire, t'as ta fronde, hein. On peut lui parler avec la fronde. Tu sais où est Laurentius? Peut-être. Que ce soit lui. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands. Je ne pense pas, non. Je crois pas. Ok, du tissu. Mmh. Oh, je vois un truc. Du soufre. Est-ce que c'est pour faire des genre des trucs de feu? Ça me paraît très logique. Je connais cette odeur. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Oh, du cuir. Ok, on va pouvoir encore améliorer notre... Ok. Donc... J'avais vu un truc qui brillait tout à l'heure, là. Ok, du salpêtre. Attends, il me semble que... Du salpêtre. Du soufre. Ça ressemble vachement à aux ingrédients pour faire des grenades ou de la TNT. Elles sont belles. C'est des œillets. J'en avais dans mon herbier.
Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et d'accord. Puis, c'est joli. Oh. Merci. D'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Je pense que prendre la hache, ce serait plus efficace, en fait. Ok. Du tissu, encore ? Y a pas des trucs à looter ? De la ficelle ? Du soufre ? Oui, bah, on va faire des... Je vais bientôt avoir mon bazooka, quoi. Du salpêtre, du soufre, de la ficelle. Oui, je vais avoir un lance-roquette, quoi. Non, oui. Le jeu, s'il te plaît. Un lance-roquette, ça serait utile, le jeu. Mon père. Encore vous. Je vous ai dit de partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous je le pouvez. Je vous en supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Oui. Il m'a parlé de toi. Ok. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ah. Ils sont venus chez nous et... Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. C'est-à-dire ? Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Laurentius, Laurentius, non. Je ne peux pas, je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Je crois en lui. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. J'aimerais un établi, s'il vous plaît, le jeu. Une torche. Quoi qu'il arrive... Restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Ok. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait... Et ça venait d'où ? Nous approchons. Je pensais que je pouvais looter un livre, mais même pas. Ah, il m'a attendu, c'est bien. Merci. Donc, ça venait d'où ? Et on approche, ok. Au pire, si Père Thomas, vous mourrez, vous me laissez la torche. Hein. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Frère Morel, restez ici. Merci pour la torche. Cool. Au moins j'ai une arme. Dans le pire des cas. Frère Morel. Il va mourir. Il va mourir. On t'a dit de rester dans la lumière. Enfin, tu m'as dit de rester dans la lumière. Envie de pipi, c'est ça ? Mon père. Ok. Oh. Non, non, non. Quoi, non, non, non ? Des rats. Il est mort ?
Donc, alors, il y a pas moyen de rallumer les bougies là? Parce que... Alors, je veux pas dire, hein. Vu le nombre de rats qui est en train de couler, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas plus, en fait. T'inquiète, je vais te protéger. Ah, je vois un truc. Un moine. L'autre frère. Ok. On va devoir escalader ça. Je dois poser la torche. S'il te plaît. Du calme. Il y a un support. On aura encore de la lumière. Oui, mais après, on trouvera bien. Bah, je vois une torche de l'autre côté. Ah. Lorsque vous avez appuyé sur Y pour l'allumer, ok. Le bois va brûler vite. Ne traînons pas. Je suppose arriver au bout du couloir, ça va s'éteindre. D'accord. Alors c'est ça le fléau. Les rats. Le père a parlé d'une issue. Par la crypte. Ok. Ok, je vois des rats. Amicia, oui. La crypte des trois saints. C'est la sortie dont parlait le père. Ok. On va tenter un autre chemin. Alors. Ok, j'ai du tissu. Ok, j'ai encore du soufre. Alors c'est bien beau, mais je suppose que si j'avance, je vais mourir. Ah, là, ok. J'ai trouvé. Là, je vois des cailloux. Je dois pouvoir le faire tomber. Ah, ok. Ils les ont tous mangés. Ne regarde pas, Hugo. On ne fait plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Allez. Ok. Par là? Ouais. Ça me paraissait trop simple. Bon, bah monte à l'échelle. Ok. Là, je regarde hein, si je trouve pas des trucs. Je suppose que je vais tomber, non? Ah, du cuir, ok, cool. Ok. Ok. C'est bon? Allez, viens. Ils font trop de bruit. Trop de bruit. Hugo, calme-toi. Voilà. Oui, calme-toi. C'est quoi? On peut l'utiliser sur les rats? Non, ça sent la bière. Il devait embrasser. Oh. Ok, de la bière. Je veux juste regarder. Moi, je pense pas qu'on puisse, qu'on pouvait passer là-bas. Ok, du salpêtre, la corde. Euh...
Ah bah d'accord, ok, bon bah en fait je pense que... On va attendre un petit peu. Et go. Ok. Eh viens Hugo. Ah, un établi. Ok, alors, on pourrait faire quoi? Porter plus de matériaux. Ok. Ça va me simplifier la vie. Oh, c'est quoi ça? L'herbier, ok. Les cadeaux. Ok. Mon devoir. Il manquerait quoi? Ouais. Bon. Ok, au moins. Pas de drap. Tu disais? Oui, bah attends, t'inquiète. Moi, je retourne à l'établi. Ok, je peux rien construire de plus avec ce que j'avais looté. Bon. Ok. Ok. Je vois du cuir. Du tissu. Alors, c'est peut-être scripté, mais quand même. Hein. Ok, je peux rien faire de plus, mais je regarde, on sait jamais. Hein. Ok. Vas-y, passe, mon petit. Petit Hugo. En bas, les trois saints. Quoi, les trois saints? On se rapproche de la sortie. Ok. Je suppose qu'on va passer la porte là et on va arriver sûrement là-haut, par là. C'est ce qui me paraît très logique. Mais... D'accord, soyons prudents. Ok. Ok, j'ai de l'alcool. On peut pas prendre le pilier, il le prend, tu le portes et t'avances avec, quoi. Si on va par là, on sera à l'abri. Il faut pas tomber, pas tomber, on va pas tomber. Tiens bien ma main. Oui, t'inquiète. Tiens bien ma main, on va pas tomber. Ok. La torche. Oui. Ah oui. Vas-y, vas-y. Ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. Allez. Je sais pas si je dois maintenir ou pas, mais reviens Hugo. Ah. Pardon Hugo. Ça va? Oui. Reste où tu es. Le sol est pourri. Ok. Avance tout doucement. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors, on va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. C'est très bien. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche? Oui, il y a trop de rats de mon côté. Et moi, ok. Je passe par où? Il y a un trou derrière. C'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûr? Oui. Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Ok. Oh. Ok. Est-ce que
Vu que j'ai des rats, est-ce que je peux looter des trucs ou pas? Oh, j'ai des rats. Maintenant que j'ai une torche. Ah, il semblerait que les rats, quand ils sont bloqués, ils disparaissent. Ok. Ah, c'est intéressant. Bon, après, je pense qu'ils réapparaissent de l'autre côté, hein. Je regarde si je peux pas looter d'autres trucs. Ah, tu vas pas me dire que là tu peux pas monter, genre tu mets ton pied dans le trou, tu récupères la. Oh! Je crois que. J'ai trop. Là. Oui! J'ai cruché le jeu! Yes! Niqué, niqué! Ou alors c'était prévu. Mais je pense pas que. Ah si, c'était prévu, je pense. Ok. Ah, mais je me suis peut-être bloqué le jeu en fait. Parce que maintenant que j'ai la torche, je peux plus rien faire d'autre. Ah. Ok. Je crois que je me suis bloqué, hein. Je pensais avoir grugé le jeu, mais non. Mourez tous! Voilà. Oui. Ah oui, c'est bien beau, mais je peux plus rien faire en fait. Je suis bloqué. Je pense qu'il faut que je recommence. Parce que en fait, j'ai la torche, mais je peux plus rien faire. Voilà. Là, comme j'ai plus la torche. Ah oui, voilà. La torche, elle est là. Voilà. Je dois le faire descendre. Comment je suis censé lâcher la truc? Ah, voilà, comme ça. Ok, je peux pas prendre. Ok. J'ai vu, hein, j'ai vu les trucs qui. C'est bon? Ok. Je suppose que maintenant. Mais poussez-vous, les rats. Voilà. De quoi? Qu'est-ce que t'as acheté? Il a acheté quoi? Ok.
Ah oui, c'est bon, je vois, je vois. Ok. Et poussez-vous, les rats. Ok. J'ai tout looté. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. Alors, je lui ai dit de descendre, mais peut-être pas en fait. Ok, j'ai récupéré des outils. Là, j'ai vu un truc. Je connais ce dessin, un tabard de croisée. Ok. Par ici, là. D'accord. Je suis pas sûr de où est-ce qu'il faut aller. Je prends ça, j'allume. Non, là. Au moins, j'ai récupéré le petit. Ah, oui, c'est vrai. Voilà. Ah, ça me paraît plus logique comme ça. Ok. Clic. Ah, l'atelier. La crypte. Oh, merci. On va pouvoir partir d'ici. Oui, loin, loin d'ici. Non. Je voulais, en fait, voilà, tout looter. Alors, je pourrais fabriquer plus de pochettes. Sac de munitions. Augmente. Alors, permet d'enchaîner deux tirs sans concentration ni rechargement. Contenir 10 munitions de chaque type. Pas mal. Ok. Pas mal du tout. Vas-y, grimpe. Oui. Ok. Je regarde, je vois rien qui brille. C'est quoi cette chose par terre? T'es sûr qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. Ok, il y a des espèces de racines noires ou de je sais pas quoi. Mais c'est quoi sur les murs? Je sais pas. Eh. Hey. Je pensais partir sur un jeu un peu moins gore, mais possible. C'est possible que... Amicia, il faut pas toucher les murs. Oui, mais ça, moi, j'ai compris, moi. Ça brûle la gorge. Ok. Ok. Voilà, au moins on est sorti. Ouf. On a échappé au rat. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Personne s'est fait mordre, j'espère. Amicia, je veux voir maman. Bah, moi aussi, en fait. T'inquiète. Je veux pas qu'elle soit morte. Bah, je veux qu'elle revienne. Je peux pas faire grand chose là. À part tuer les gars qui ont tué ta mère. Voilà quoi. Oh.
Oh, d'accord. Donc, tous les chapitres n'ont pas l'air d'être très longs. Ils ont l'air de faire quoi? 20, 30 minutes à peu...